Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis le général Franco. Si un jour quelqu'un vous demande que où est née la sorcellerie, répondez tout simplement que la sorcellerie est née dans un continent en Afrique qu'on appelle le 237. Écoutez. Ok. Ce que je vais dire, je vais maintenant parler de Coco de Diamant. Oh, je ne suis plus moi avec Coco de Diamant. Oh, pardon, c'est le mensonge. C'est une petite sœur. La première vidéo que vous avez vue, ici là, mets ton visage pour que ça te donne le nom. C'est ici là que tu vois le nom. C'est tout comme ça, ils fabriquent les gens. J'ai fabriqué beaucoup d'enfants. Les cabrins n'en sont mes œuvres. Ils sont nombreux. Ah bon, hein? La première vidéo que vous avez vue, j'ai crié Coco de Diamant, tu as changé ma vie. Ça, c'est même pas la première vidéo que je parlais d'elle. Appelle-toi. Sachez que derrière moi, Coco de Diamant a eu plus de visibilité. Parce que j'ai été le premier supporter numéro 1 de Coco de Diamant. Je suis quelqu'un qui a augmenté sa visibilité. Vous ne le connaissez pas. Au départ, quand elle a sorti ses ex minuit dans l'agent, son système où j'ai donné l'argent ici, là, 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 là. Les gens la sabotaient. Quand elle est dans la secte, elle est montée, descendue. Quand elle est passée à Vision 4, rappelle-toi. Ouais, ouais, ouais. Les gens sont venus dire qu'elle filme le banga, elle est folle, elle n'est pas normale. Moi, je fais une vidéo de soutien. Elle t'a donné les millions, elle t'a donné la voiture, même 5 francs. Voilà un événement qu'elle sort, même 1000 francs, même pas fauté. Je dis que non. C'est une dame, elle est forte, son modèle a marché. C'est moi qui augmente ta visibilité. C'est moi qui te mets dans le droit chemin. Ça veut dire que c'est moi qui fais en sorte qu'on commence à te regarder bien. Tu as le poids comme le groupe électrogène. Tu bouffes, tu es seulement là, tu bouffes KO. Le bœuf. Si vous êtes conscient, vous les Camerounais, apprenez à dire la vérité. Tu es ma déception. Apprenez à dire la vérité. C'est moi qui commence à faire, on commence à bien regarder cette dame. Tu n'as pas honte. Tout ça, c'est le manga. Hein? Seigneur, jusqu'à quand? Avec pour terminaison maintenant, le jour où je viens créer mon buzz. Parce que les gens disent, qu'elle t'a donné l'argent. Je dis, Coco de Diamant, tu as changé ma vie. C'était mon buzz. Votre vie vous dépasse, mais vous êtes dans la vie des gens. Comme les chansons. Tout, 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 tout. Alors que votre vie est pourrie. Ça ne vous sent pas. De créer mon buzz. Je n'ai jamais demandé. Je n'ai jamais demandé l'argent à Coco de Diamant. Hey! Petit menteur. Moi, gâteau, je n'ai même jamais demandé à quelqu'un. Je ne suis pas riche, je ne suis pas tout, mais je sais au moins que Dieu me donne le peu que je peux vivre. quelle déception du jour. Je n'ai jamais demandé l'argent à quelqu'un, ni à elle. Non seulement elle ne m'a jamais donné ses 5 francs. D'abord, elle me met dans la fiche, elle ne me paie rien. Elle m'a envoyé 50 000 francs. Non seulement elle ne m'a jamais donné ses 5 francs. D'abord, elle me met dans la fiche, elle ne me paie rien. Elle m'a envoyé 50 000 francs. Non seulement elle ne m'a jamais donné ses 5 francs. Ah, c'est mon moment. L'autre me demande si tu es comédien ou tu es humoriste. Je suis un jansailleur et un mangiang. Voilà mon métier. Je suis un jansailleur et un mangiang. Vous avez compris, non? Je suis humoriste ou comédien. Je crois d'abord la définition. L'autre, il sait que c'est Franco. Il ne connaît pas moi ce qui fait le sens des vidéos. Je ne comprends pas ça. Il fait d'abord dans quoi? Voilà, ce Franco, je ne comprends pas le sens. Il fait dans quoi? Il crée des problèmes. Il met des problèmes. Les gens dans les problèmes, il crée des buzz inutiles. C'est, il est obligé de faire comme ça pour que ça lui donne 1000 francs ou 1500. Pour qu'il nourrit les enfants. Et ses enfants, le matin, ils donnent la. C'est l'on cuit, ils battent à l'école avec l'on cuit. Tu vois l'on cuit, non? On met dans le bol, ils mangent à l'école comme. Ses enfants. Ils sont encore à l'ancienne époque. Moi, on connaît toute sa vie. Mais. N'importe quoi. Il faut regarder les gens à qui tu parles. Je ne suis pas un malheureux. Je suis pas. Je suis. Certes, je suis le mangeant que vous pensez. Mais je vais développer ma mendicité là qui est devant vous. Et vous allez me donner l'argent là. Tu comprends, non? Je vais développer maintenant ça. Et maintenant, il va acheter les assiettes comme les Aoussa. Bleu, vert, jaune. Je vais marcher à Aoussa. Vous allez mettre l'argent. J'ai les habits. Ce n'est pas les habits qui me manquent. Je suis l'un des émaux les plus sapés au Cameroun. Je me vante maintenant. Les plus sapés au Cameroun. Ma panderie, c'est qu'à chaque jour, je renouvelle les panderies. J'ai 4 panderies pleines des vestes et des habits. Je suis un sapeur. Oui. Prenez ça mal, mais il me vante aujourd'hui devant vous. Je suis resté longtemps humble, mais on s'en fout. Demoiselle, j'ai dit tout, madame n'était pas encore mariée au moment là. Oh. Je viens donc chez la mademoiselle Pifot. Je dis à mademoiselle, avec les gros yeux comme les lampadaires, tu vois les lampadaires qui sont en deux côtés là. Ces yeux sont. Quand tu vois même ça, si tu n'es pas conscient, comme il dit que je suis le hibou là, le hibou a les gros yeux, moi je n'aime pas les gros yeux. Cet homme, le vrai hibou. Donc là où tu es là, si tu es sage seulement, commence un peu à réfléchir à ta vie. Parce que tu as perdu ta crédibilité devant tous tes fans, devant tes clients même, tu as perdu la crédibilité. Toi, tu te lèves, tu signes les contrats, tu fais dans quoi, Pifette? Madame, tu fais dans quoi? Vous faites dans quoi? Rien. Tu n'as rien. C'est parce que tu sais. Tu dis que moi, je sens. Tu peux passer devant quelqu'un. Ton trou, ton anneau, il y a percé partout. Ça coule. On te remarque à la boutique avec les garnitures chaque temps. Tu achètes, on dit que c'est pour qui? C'est pour ma fille. C'est pour toi. On connaît ça. C'est pour toi. Les gens qui font dans le cosmétique, là,
les entreprises de cosmétiques là. Voilà gâteau, le premier Camerounais a fait le Njangsang. Le premier artiste a fait le Njangsang au Cameroun. Je constate que je ne suis même pas encore bien brun. Vous voyez, je n'ai pas encore les kentos. Parce que quand tu fais normal un Njangsang, tu dois avoir les kentos. Donc j'ai envie d'avoir les kentos, s'il vous plaît. J'ai envie d'avoir les kentos. Vous voyez, j'ai envie d'avoir les kentos. Donc, les entreprises là, venez signer le contrat avec moi pour que je devienne même que vert, rouge, jaune. Et l'autre a dit transparent. Hey, laissez bien. De toutes les façons, rendez-vous samedi à l'hôtel Dioga Palace dès 20h00 pour l'événement inédit Renaissance Music Award qui récompense les artistes qui chantent de belles mélodies. Soyez des nôtres, j'y serai. Appelez le mot qui s'affiche là pour avoir plus d'informations. Ne rate pas cet événement. C'est la magie. Non, 7e édition. On est ensemble. C'était le général Franco. Attention aux traîtres. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Hein? Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.